Cette session 2024 m'a particulièrement impressionnée par l'engagement des personnes qui créent toutes ces innovations autour d'un projet, d'une cause aussi noble que le handicap. Ce qui m'a le plus marqué dans ce concours, c'est la compétence et l'engagement des candidats, candidates au service de l'innovation technologique. Chez ST Microelectronics, nous portons une attention toute particulière à l'humain, dans ses compétences et dans sa différence. Nous faisons en sorte que chacun puisse vivre pleinement sa carrière et être la meilleure version de lui-même. Nous sommes convaincus que la diversité, si elle est associée à l'inclusion, est un formidable vecteur de performance collective et individuelle. Moi aussi, j'étais véritablement ravi de participer à la cérémonie des Handitech Trophy au nom de ST Microelectronics. C'est vraiment une opportunité d'avoir un autre regard sur le handicap et aussi une opportunité de montrer que l'innovation technologique qui est effectivement fait partie de notre ADN est un levier extrêmement puissant de l'inclusion. Donc on a pu participer grâce au Handitech Trophy tout au long du processus avec des jurys, avec le vote des collaborateurs où on a eu de nombreux collaborateurs qui ont participé. Vivre l'inclusion au quotidien est une aventure humaine, collective, qui est véritablement porteur de sens. C'est effectivement un pari gagnant pour un monde, je pense, plus durable. Voilà, je tenais véritablement à remercier l'ensemble des participants, l'ensemble des candidats, des lauréats qu'on a vus ce soir, qu'on a pu féliciter, et l'ensemble de l'équipe Handitech Trophy pour cette belle cérémonie.